Demain, les Québécois pourront rendre un dernier hommage à l'animateur et chroniqueur Paul Oud, qui nous a quittés le 2 mars dernier à l'âge de 69 ans. Ils sont attendus au Planétarium de Montréal, où il va reposer en chapelle ardente. Et avec nous, son frère, Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Sophie. Heureux de vous retrouver. C'est très gentil d'être avec nous. On veut d'abord savoir comment vous vous sentez, comment vous allez, quel est votre état d'esprit là, la veille de cette journée-là qui promet d'être assez chargée émotivement. Oui, c'est déjà très émouvant depuis un mois. Je vais vous avouer, Sophie, que nous pratiquons le même métier. Nous sommes toujours en direct et les choses doivent poursuivre. Ce serait la volonté de Paul, évidemment. Ouais. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps jusqu'à maintenant pour mettre tout ça en perspective. Je présume que ça viendra davantage cette fin de semaine. Je présume que ça viendra aussi par la suite, quand la saison de hockey sera terminée. Ouais. Mais il y a une chose, cependant, dont nous sommes tous conscients, dans la famille et dans l'entourage immédiat, c'est de la vague d'amour extraordinaire que nous avons reçue et que Paul a reçue jusqu'à maintenant. Nous en sommes encore très touchés, pour ne pas dire bouleversés, d'ailleurs. Ouais. J'imagine que ça vous fait réaliser à quel point Paul est important dans le cœur de tellement de Québécois. Oui, Paul l'aurait dit. Nous avons tous les deux 48 ans de métier. Mm-hmm. Si vous faites le calcul, on n'est pas loin de centenaire à deux. Ouais, ouais. Et je pourrais vous dire en son nom qu'on n'a jamais fait ce métier pour saisir la reconnaissance. Ouais. Nous avons toujours fait ce métier parce qu'il nous passionnait depuis notre tendre enfance. Mm-hmm. Et nous y avons donné tout ce que nous pouvions. Je vais continuer à le faire, moi, à la mémoire de Paul et en l'honneur de Paul. Il serait très, très, très touché et voire même gêné d'une telle reconnaissance sûrement, présentement. Sûrement, oui. J'entendais sur nos zones, un peu plus tôt, Thérèse Parisien, Pierre, parler du gouffre hein, qui l'habite. Là. Paul est un être humain tellement attachant, tellement versatile, un vrai phénomène. Là. Il doit vous manquer terriblement. Oui, il me manque terriblement. Il me manque, non pas physiquement, Sophie, parce que, comme vous le savez, nos horaires étaient tellement différents. Mm-hmm. Nous n'avions que très peu de temps pour nous fréquenter. Et même dans la saison estivale, Paul avait découvert la passion du véhicule récréatif. Mm-hmm. Moi, j'avais les miennes, j'avais l'aviation et celle que vous aviez peut-être ou que vous avez peut-être encore, la moto. Mm-hmm. Alors, on n'était pas tout à fait sur la même planète de loisirs l'été. Mais on avait nos canaux de communication, les canaux modernes, les courriels, les messages textes. Et je vous dirais que hier, j'ai relu encore quelques-uns de nos derniers échanges. C'était à éclater de rire. Mm. L'humour était très, très, très fort entre nous deux, parmi tous les éléments de complicité que nous avions. L'humour et les étoiles aussi, hein? c'est assez inusité, une chapelle ardente au Planétarium, non? Est-ce que c'est à sa demande ou c'est la proposition de la famille? C'est la proposition de la famille. Ah oui. J'y étais pour rien. C'est sa famille immédiate, donc son épouse Francine, ses deux fils. Ils ont dit pourquoi pas. Il y a une coïncidence incroyable. Il y a l'éclipse dont on parle tellement et ben dont voilà. vous parlez tellement, et avec raison, lundi. Et il fallait aussi un endroit qui nous permettait d'accueillir le flot de gens qui viendront pour nous saluer. Mm-hmm. Alors, je trouve que l'idée est absolument mm-hmm. merveilleuse. Vraiment. Et il y a des gens qui sont allés aujourd'hui et qui trouvent que c'est encore mieux comme idée. Ouais. Alors, j'ai très, très hâte de vivre ça moi-même en personne mm-hmm. À compter de 10 heures demain matin. Ça lui ressemble, en tout cas. C'est vraiment réussi. Et vous parlez de l'éclipse, Pierre. C'est un beau clin d'œil lundi que la nature lui fait, que le ciel lui fait. Lui qui était si passionné des astres, il va pouvoir peut-être la voir, cette éclipse, d'un tout autre angle. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est une coïncidence. Elle est très forte. Et d'ailleurs, Sophie, plus on approche des témoignages en fin de semaine, plus on approche de l'événement de l'éclipse lundi, plus moi-même je réalise, presque avec des frissons, à quel point c'est une coïncidence qui est très, très forte. Il n'y a pas question de vendre la spiritualité ou non, là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort dans cette coïncidence. Paul était aussi très, très, très éveillé sur la météo et tout ça. Mm-hmm. On est des passionnés d'aviation. Je ne suis pas étonné qu'il y ait une tempête aujourd'hui. Exactement. Les deux Houdes, là, on était fascinés par ça quand on était petits. Ouais. Et puis, donc, je ne suis pas étonné non plus qu'on a espoir
encore de beau temps pour profiter du phénomène très rare lundi prochain. Ouais. Et une énième tempête des Corneilles. Hein. Si Paul avait été là, il nous aurait expliqué les tenants et aboutissants. Et c'est le cas, combienième, il y aurait des chiffres là-dessus, des statistiques. Enfin, on vous offre encore une fois toutes nos condoléances, Pierre, et on rappelle aussi pour les gens qui sont intéressés d'aller le retrouver dans ce magnifique planétarium de Montréal. Vous avez là ici les détails. Donc, en deux temps, hein, c'est donc demain entre 10h et 14h pour une première plage et ensuite l'après-midi entre 15h et 19h. Merci infiniment, Pierre, pour ce beau témoignage. Merci de votre invitation, Sophie. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Au revoir.